Yo les petits potes, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel aujourd'hui les gars. Nouvelle vidéo avec InoxTag. Ça bouge pas. Aujourd'hui, nouvelle vidéo assez particulière. Déjà, on fait l'intro dans une Fnac. On est en train actuellement de bloquer les gens. Voilà. Je suis avec mon ami. Oh, pas toi dans la voiture. Le jeu de mots, il est incroyable. Là, on est devant une voiture qui s'appelle la Citroën Ami. Donc bien joué. Bien et c'est un véhicule et non une voiture. C'est un électrique. Véhicule. On peut pas dire que c'est 100% une voiture. Électrique. Mais en gros, j'ai été contacté par la Fnac et Citroën pour vous présenter cette nouvelle voiture. Du coup, je me suis dit, en plus, ça tombe bien. T'as pas le permis? Non. J'ai pas le permis. Mais on a le BSR. On va pouvoir conduire parce que c'est une voiture sans permis, les gars. À partir de 14 ans, vous pouvez la conduire sans permis. C'est incroyable, gros. C'est vrai que c'est un truc de ouf. À partir de 14 ans. 14 ans, t'es sur la route avec ta petite véhicule. En fait les gars, je suis mort parce que la marque veut pas qu'on dise que c'est une voiture, c'est un véhicule. Ils nous donc, ont dit la c'est vidéo, un véhicule. Ça sera mon véhicule. Voilà, c'est pas une voiture. Du coup déjà les gars, dans cette vidéo, ce qui est incroyable, c'est qu'on va conduire. En vrai, on sait conduire les gars. Déjà on a passé le BSR, on a fait des heures de conduite et tout avec Inox. Donc en vrai, on commence à savoir conduire un petit peu. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette voiture? On va faire une course. On va faire une course avec Inox, ça va être une course d'objectifs. On a 8 objectifs à remplir. Le premier qui a rempli les 8 objectifs a gagné, tout simplement. Okay. Donc évidemment, simple, clair, net, efficace. C'est une course d'objectifs, mais Inox, on va pas griller les feux rouges. Non, 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 on respecte tout ce qui est ligne. On va pas rouler à 120 dans priorité. On respecte tout le code de la route, voilà. Tout est fait par des professionnels. Voilà. Je vous dis tout de suite l'ordre des objectifs. Premier objectif Inox, il faudra qu'on passe au Trocadéro. D'accord, ok. Voilà. Il y a l'aquarium. Je sais même pas c'est ça à côté de la Tour Eiffel. Le deuxième objectif les gars, on a une rue très étroite dans laquelle on va devoir passer. On ne devrait pas avoir de soucis pour passer dans la rue. Ouais, c'est petit, c'est tranquille, passe partout quoi. En troisième objectif, on va devoir passer devant le Parc des Princes. Alors à chaque fois, il faudra faire une photo. Il faudra faire une photo du Trocadéro, une photo devant le Parc des Princes. Quatrième, il va falloir se garer dans un parking souterrain. Ça, ça va être marrant parce qu'on sait pas comment ça se passe en vrai. Je suis jamais allé dans un parking souterrain. En cinquième, faudra prendre une photo devant le cirque de Paname. En sixième, parce qu'il sera bientôt midi et on aura faim, il va falloir récupérer à manger dans un fast-food. Septième, on va devoir passer dans une rue. Alors là, ça peut être n'importe quelle rue, juste faut que ça ait un nom d'artiste. Okay. Genre rue Michou. Oui, ok. À d'autres. En huitième, et là ça sera l'arrivée, c'est le premier qui est arrivé à Louis Vuitton avec tous les objectifs de rempli. Ah ouais, t'es moulin toi, t'es moulin. C'est là, on va arriver devant la fondation sur Louis Vuitton. Les gars, petite pause parce que j'ai oublié un objectif. Il faudra aussi distribuer du gel hydroalcoolique dans la rue à 5 personnes. On pourra faire ça à n'importe quel moment du parcours quand on voudra. Voilà les 8 objectifs les gars, il va falloir être le premier à les remplir. On vous propose bien déjà, on fait le tour de la voiture. Voilà, on vous propose de vous présenter ce magnifique véhicule venant de notre marque Citroën. Donc il s'appelle Ami. On est devant un bolide phare Xenodon vitré. Comme on peut le voir, il y a une particularité très spécifique sur cette voiture, c'est une ouverture de porte et en ouais, parallèle. C'est incroyable, la porte. La porte est inversée. T'as l'impression qu'elle s'ouvre à l'envers, mais en fait c'est fait exprès pour gagner de la mais, place. Regarde où est la subtilité. L'autre s'ouvre à l'endroit. Viens, viens dans la voiture. C'est mais incroyable. En vrai, il y a une place de ouf. J'aimerais qu'on parle de ces fenêtres. Voilà les fenêtres, c'est incroyable. Incroyable. Je suis désolé, t'as envie de t'aérer toute cette fenêtre, c'est incroyable. Par contre, il y a un toit ouvrant. Par contre, ça, en termes de luminosité, je pense qu'on est ça, pas mal. Ça, je pense que c'est d'un toit ouvrant. Bon, Inox, j'ai envie de te dire, c'est attends, parti, vas-y, démarre. Hein. On va faire une course, donc il faut deux voitures. Viens, on va chercher les deux voitures. Je vais tout seul aussi dans la voiture. Ouais, tu vas conduire aussi. Bon bah, on va chercher les govins. Ah non, les véhicules, non mais. Bon les gars, à chaque fois qu'on a dit voiture, et ben le monteur, tu mets une croix à voiture et tu mets véhicule. Voilà. Voiture, 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 voiture. Non mais c'est une voiture. Oui. Les gars, on est devant les voitures. Regardez-moi ça, les tiocs. Incroyable. Regardez-moi les bolides. Hey, mec, celle-là, c'est la mienne. Mon véhicule, il y a du rouge. Et moi, c'est blanc. Toi, c'est blanc-bleu. Faites votre pronostic. J'avoue. Qui est le meilleur pilote entre moi et Inox? Oh là là. Il est temps d'aller dans ta chop. On va se mettre côte à côte. On va faire boum. Vas-y. A tout de suite. Enculé, la priorité à droite. Eh, hey, parle mieux là. Oh, j'en ai marre des cons comme ça. Non mais vraiment, ils rendent fous les gens. Ils rendent fous les gens. Ils savent plus conduire de nos jours. Bon, je vais lancer le top départ. Inox, il attend pour le top départ. Il a de la chance, lui. Il commence, il est déjà sur la route. Alors que moi, je suis garé. Donc il a un avantage. Mais j'ai déjà mis le GPS. Inox, quand tu veux. Vas-y. C'est parti. Les gars, là, le début, je me concentre. J'attends qu'il n'y ait plus de voiture. Normalement, il va y avoir un feu. Putain, mais moi, je suis obligé de l'attendre. Ne me laisse pas passer. Si, merde, mon ref. Oh, ça avance. Oh. Oh là là, c'est parti.
Putain, il a déjà de l'avance. Ok, c'est bon. Les piétons, faire attention, c'est vert pour eux. Oh regarde, il est là. Toujours laisser passer les... Oh le bâtard. Ah, ça me fume. Ok, faut rester à droite toujours. Eh, c'est dard. Mais mec, elle est trop bien la voiture. Eh, il est devant, mais bon, il a perdu 5 minutes les gars, donc... Il est derrière. Inox, je vais gagner mon petit pote. Alors, est-ce que tu te sens bien dans cette voiture? Parce que le cadre là, tu vas passer 3 heures avec moi, ma gueule. Hein. En vrai, il y a de la place. Hein. Ouais, c'est carré en vrai. Hein. On tourne à droite. Mais attends, mais on va faire le rond-point de l'Arc de Triomphe. Mais je vais mourir. Attends, mais là, mec, c'est le rond-point de l'Arc de Triomphe là. C'est quoi prioritaire, celui qui rentre? À droite, exactement. Attends, parce que là, ça va être quelque chose là. Oh là là, je stresse. Ah ouais, bah là, c'est parti. Hein. Ok, là, il y a personne. Je peux y aller. T'es prêt? Ouais. Vas-y, je trace. Je suis dans le rond-point de l'Arc de Triomphe. C'est moi que ça a klaxonné là? Normal, il y a un fou sur l'Arc de Triomphe. Non, il est passé devant moi. Ah ouais? Il est passé au milieu. Bon, on a réussi au moins. Bon les gars, on a passé le rond-point de l'Arc de Triomphe. Déjà, à partir du moment où j'ai fait ça, je peux tout faire. Bon les gars, là on doit aller à Trocadéro. On est presque arrivé. Donc en vrai ça va, on va plutôt vite. On a perdu Michou. Je sais pas où il est passé. Ah, à droite. Oh merde, c'était à droite. C'est une catastrophe. Là déjà, Inox, il a de l'avance. Mais vous inquiétez pas, je lui laisse un petit peu d'avance. Sinon j'ai gagné, sinon c'est nul. Monsieur le cadreur, on est presque arrivé au Trocadéro. Ah bah c'est ici qu'on peut trouver une place. Ah ouais, là, à droite, direct. Ok les gars, là on est devant place du Trocadéro. Le problème c'est que je sais pas où aller moi. Il est là, Inox. Ah ouais, il est là. Oh putain, y'a Michou qui est garé là, non? Y'a Inox juste devant, mec, il a trouvé une place. On est bien là. Go faire la photo devant le Trocadéro. J'ai le droit de bruit si tu veux. Ah oui, j'avoue. C'est vrai qu'il faut distribuer du gel. Et si ça passe? Ok, t'es prêt à tracer? Y'a Inox, il s'est garé. Au final, on est bien. C'est où le Trocadéro? C'est là-bas. C'est ça? C'est là la place du Trocadéro. Ah, c'est ça? Ouais, c'est là la place. Ok, vas-y, go. On perd pas de temps. Oh, il est là! Ah, je fais ma petite gueule, ça va ou quoi? Monsieur, vous voulez du gel hydroalcoolique? Non, frère, ça coule pas. Mais attends, mais j'habite à Paris, je suis jamais venu ici. C'est bon, allez hop, c'est validé. Ok, j'ai ma photo. Bonjour, monsieur. Vous voulez du gel? Parfait. Un point. Là, les gars, faut trouver le prochain truc. Rue étroite. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je distribue du gel. Parfait. Je vais tout faire maintenant, comme ça qu'on est tranquille. Bonjour monsieur, vous voulez du gel? Michou. C'est moi, tu veux du gel? Ouais, j'ai bien. Et t'as pris un petit McDo tranquille? Ouais, tranquille. Là. T'es bien, bah bon app. Ouh. Ouais. Tu veux du gel? Ouais. Ça fait plaisir mon gars. C'est ta maman là-bas? Attends, je vais lui donner du gel. Parfait, merci. Bon les gars, on a le truc, ça c'est bon, c'est fait, on a la photo, mais moi je me demande pourquoi Michou l'a pris autant de temps. Ça sent pas bon ça. J'ai saoulé tout le monde avec mon gel, mais au moins, ça c'est fait les gars. Maintenant faut que je rattrape Inox parce qu'il a pris un peu d'avance. Mais du coup, défi gel hydroalcoolique, réussi. Oui, y'a plein de voitures. Vas-y, tranquillement. On est bon pour le gel. Les gars, le deuxième objectif c'est quoi? La rue étroite. Ah ouais, ok, faut passer dans la rue étroite. Alors j'ai le nom de la rue, c'est la rue Bois-le-Vent, etc. Enfin, je sais pas trop quoi. Donc c'est bon, j'ai mis le GPS et on est parti. Question, tu sais enlever les buées? Non frérot. T'avoue là, c'est pas mon premier problème la buée. Comment l'enlève? Merci ma gueule. Ouais, les gars, on peut dire merci au cadreur qui m'enlève la buée. Ok, on est reparti. Sinon ça mange quoi ce midi? Toi t'aimes bien quoi, McDo ou... Ah si tu trouves un burger. Les gars, moi j'ai pas le droit au fast food moi, encore pendant 10 jours, donc je donnerai ma graille au cadreur. Putain, je croise les doigts pour qu'Inox il ait un accident. Hein? T'es sérieux de dire ça? Ça va ou quoi mon ref, y'a un abonné? Bien ou quoi? Je suis en voiture ma gueule, je peux pas te dire bonjour mais t'es le boss. En vrai je pense que je suis bien. Je pense que là lui il a de l'avance, si ça se trouve il est déjà arrivé dans la rue. Mais moi j'ai distribué le gel donc je suis pas mal. Bon les gars, on est dans la rue étroite, là je me mets sur le téco. Hop, je sors de la voiture, je fais une petite photo. Ah là c'est bon là, si je la fais comme ça là, en vrai, c'est bon. Voilà, c'est carré mon gars, c'est carré. Donc la rue étroite, c'est celle-là. Ah oui, c'est vrai que c'est une rue. Inox, oh il est là. Du coup les gars, on a fait le Trocadéro, on a fait la rue étroite. Là je dois faire Parc des Princes. C'est parti, on va au Parc des Princes. On a du mal à faire les créneaux. Ah, il a dû se garer pour le GPS. Ok, le GPS les gars, le GPS, prochain objectif. Mais du coup on a rattrapé Inox. C'est le Parc des Princes, let's go. Ok, il y a 10 minutes en voiture, tac. Et ben on est reparti, on va à droite. Je me concentre un petit peu, Michou il est juste derrière moi. En vrai on est en avance, mais on n'a pas fait le gel hydroalcoolique. Donc ça faut faire Pélec. On suit Inox les gars, on suit Inox. Bon, il y a un petit peu de bruit, c'est parce que j'ai mis le désembuage. Parce qu'il commence à avoir de la buée sur les vitres. Et si je veux voir quelque chose, faut qu'il y ait du bruit. Donc désolé. Oh non, il y a Michou derrière moi. Laisse-moi tranquille. Mais hey, tu sais que je suis vraiment fan du design de la voiture. Le design de la voiture, je le kiffe vraiment. Je la trouve stylée là, tu vois. Le véhicule, le véhicule. Et ouais, quitte au montage, va falloir que tu changes à chaque fois voiture par véhicule, tu vas en avoir marre.
C'est quoi la main que je vois? J'ai fait un cœur. Il a fait un cœur. Attends, je vais lui faire un dessin moi aussi. La maturité. Mec, j'ai trop envie de le doubler. Ah, y'a Michou, il veut me doubler. Ah, Inox, je t'ai doublé. Ah, le bâtard. Alors, Inox, on est dans mon rétro? Moi, en vrai, je m'en fous, les gars. Je suis sur la voie droite. Il voulait juste me doubler. Attends. Quoi? Je crois que je me suis trompé de route. Bah oui, je me suis trompé de route. Oh, il m'a suivi, le con. Ah, merde. J'ai suivi Michou. Putain, c'était celle-là à droite. On s'est tous les deux merdés, quoi. Oh, le con. Gars, il doit pas comprendre. Gars, il me suit. Angle mort. Lolo, il veut faire le fou là. Je me suis trompé de route. Allez, tu me suis. Oh le bâtard. Putain, il sait c'est où. Merde, il m'a redoublé. C'est là? C'est en face. Ouais, c'est en face au Parc des Princes. Je peux me garer comme ça? Putain, mais faut se garer en fait. T'as une place là? Est-ce qu'on n'est pas garé parfaitement là? Il est là le Parc des Princes. On est les champions, mon gars. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on se casse. On n'a pas de temps à perdre. Ok, c'est parti. Allez, une sortie de lycée pour le gel sur eux. Oh ouais, bien vu, bien vu. Vas-y go, mais pourquoi il va là-bas? Ah, il sait faire connaître. Et il est dans la merde. Il y a un lycée juste là-bas, les gars. Ah, ouais. Tu veux du gel hydroalcoolique ou quoi? Gel hydroalcoolique? Ouais, tiens, je t'en mets. Il faut que j'en mette. Léa, attends, viens. Léa, oui, j'attends. Léa, tu veux du gel hydroalcoolique ou pas? En plus, j'ai des antécédents avec quelqu'un qui s'appelle Léa. On va prendre la photo ici en vrai. Carré, on y va. Mais tu fais quoi là? Ah oui, il est en train de donner le gel. Les gars, c'est le moment de prendre de l'avance. Ça vous dérange pas si je vous donne du gel hydroalcoolique? Non, carrément. Ça vous dérange pas? Non, vas-y, carrément. C'est juste, je dois donner à 5 personnes. T'en veux? Moi ça fait 6. Vas-y, bah bonne journée les gars. Bon, les petits potes, on est parti. Prochaine étape, c'est se garer dans un parking souterrain. Donc c'est parti, on va mettre parking. Oh, celui-là il est souterrain lui. Ouais, c'est sûr. Après, c'est Cirque de Paname. J'ai pris un parking un petit peu loin les gars, mais normalement il va nous rapprocher du cirque et je suis sûr qu'il est souterrain. Ok, bah c'est parti. Let's go. Bon, on a fait tous les défis. Maintenant, faut trouver un parking souterrain, frérot. Parking porte de Saint-Cloud. Tu penses que c'est un bon ça? Ouais, c'est bon. Vas-y, tu me guides. Mine de rien, là, je pense que moi et Inox, pour une fois, on va pas avoir pris le même itinéraire. Je pense pas qu'il soit parti exactement au même parking que moi. Je connais Inox et il a dû aller au parking le plus proche. On voit d'ici, on a le dit. Ouais, je le vois, le parking, on le voit. Le tracé est tout droit, là. Désolé, j'ai pilé, frérot. Feu orange, les respecte, moi. Donc là, on va rentrer dans un parking, on va payer et on va sortir. On va rentrer dans un parking, se garer 30 secondes. Mais du coup, on va payer. Putain, mais je suis vraiment un pigeon, moi. Parc de stationnement Saint-Cloud. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un parking. Faut que je m'arrête devant le guichet, c'est ça? Ah, c'était tactile, putain. Et là, mon gars, on a le ticket. Normalement, ça va. Mais c'est magnifique. Voilà, mon gars. Voilà, mon gâté. C'est comme ça qu'on fait. On est dans le parking. Maintenant, faut faire quoi, là? Tu te gares, tu prends une photo et... Vas-y. Là, c'est à gauche, là, non, le parking? Là, ça va être à gauche. C'est ce qu'on voit, là, non? Parking centre-ville, bah, allons-y. Bah, c'est plus près que le parking que je cherchais, mais tant mieux. Ok, on est pas mal. J'ai demandé à la dame si ma manœuvre, elle était bien. Elle était bien, ma manœuvre, ou pas? Ouais. Ça passe. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bah mec, c'est validé. Nous sommes dans notre parking souterrain. Oh, par contre, ça me fait stresser. Tu sais que les entrées de parking, elles me font peur. Hein. En vrai, on est bien, gros. Le véhicule est tellement compact qu'on est bien. Putain, c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un parking. Alors les gars, c'est bon, on a fait la photo dans le parking. Maintenant, faut que j'aille à Cirque de Paname. Je sais pas du tout c'est où, mais ça va le faire. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est à 3 km, donc ça va, c'est tranquille. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Ok, on est bien. Bon, on va se garer. Donc, garons-nous. Bah, on va se garer juste là, tu sais quoi. Là, il va falloir faire une manœuvre. T'inquiète pas, j'ai appris. Eh ben on est bon. Et mine de rien, c'était serré avec le poteau. Eh ben les gars, on est garé dans le parking, du coup ben on repart. Est-ce que vous pouvez dire devant la caméra code créateur Inox Tag? Code créateur Inox Tag. Inox Tag. Voilà. OK. C'est nickel, c'est mon pseudo. Bah bonne journée. Voilà mon gars, elle est collector celle-là, elle est collector. La prochaine destination, Cirque de Paname. En vrai, le parking, il m'a éloigné du cirque. Je pense que là, mon choix était pas très judicieux. Y'a moyen qu'Inox, il est gratté du temps, là. Je vais être un peu loin, là, mais ça va le faire. La carte. J'ai trop de ça. C'est la définition d'avoir le seum. Tourne. Ah, mais c'est gratos, putain. Bah ouais, c'est gratos, frérot. On est resté deux spi. Allez, la ceinture de sécurité. Voilà, on est bien là. Ça se passe comme prévu, mon gars. Là, on a juste à continuer comme ça. On est pas mal du tout. Bah oui, monsieur, madame, je vous aime bien, mais vous êtes sur la route là. J'ai envie de klaxonner, ils vont avoir peur. Elle a eu peur. Désolé, merci beaucoup, madame. Merci. Let's go. Nickel, nickel. Je suis un as de la conduite, mon gars.
Oh non, y a pas de klaxon, gros. Je suis déçu. J'ai voulu faire tizi, ça marche pas. J'ai envie d'appeler Inox là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Allô? Allô, ma gueule? Ça va ou quoi? Ouais. Eh, hey, t'en es à où? Ben justement, je voulais savoir. Bah frérot, moi je suis à la dernière là. Mytho, allez, mais t'es un gros menteur. Bah ne me crois pas. T'es déjà passé au McDo et tout là. Bah ouais, toi aussi? Bah ouais, pareil. Mytho va. Mais toi aussi, t'es un menteur. T'es où toi? Vas-y. Bah là, je vais arriver Trocadéro. Trocadéro, mais tu l'as déjà fait, gros. Eh, hey, t'as fait le parking ou pas? Ouais, j'ai fait le parking. Bah je suis en train de le chercher là. Mais t'es un menteur. Tu viens de sortir du parking là. Non? Non? Bon, arrête, téléphone au volant. Ah, c'est toi qui m'appelles. Ah mon dieu, la jeunesse d'aujourd'hui quoi. Bon, j'ai raccroché les gars. J'arrive pas à savoir le vrai du faux là. Ça me paraît bizarre qu'ils soient encore en train de chercher le parking hein. Parce que même si j'avais un peu d'avance, en soi il est parti il y a longtemps. Je pense qu'on doit être quasiment au même endroit. Bon les gars, là je lui ai fait. En mode là il a de la confiance. Alors que pas du tout frère. Parce que nous on vient d'arriver au deuxième truc. Donc c'est beau. Et là la route elle est trop bien hein. Mais attends, mais là j'ai pas l'impression qu'il y a le cirque hein. Y a pas le cirque là, c'est l'hippodrome hein. Mais je te jure, j'ai mis sur le GPS ouais, cirque de Paname. Les gars, le cirque normalement il est là-bas là. Sur mon GPS ça me dit qu'il est là-bas. Pourquoi moi je le vois pas? Mais j'étais déjà là tout à l'heure en plus. Si c'est galère à trouver, Inox va galérer à trouver. Bon bah les gars, on est arrivé cirque de Paname. Je prends ma petite photo au calme. Voilà, et on enchaîne hein. Mais gros, je suis en train de me pulvériser. Les gars, normalement on est en train de le pulvériser, on est trop rapide. Et là faut aller à un fast-food, donc McDo. Allez let's go les gars, on va au McDo. À nous deux, petit cirque. Arrête un peu ton cirque. Elle était bien ou quoi? Pas mal, ok, c'est bon, c'est validé. Bon là on est dans les bouchons mon petit ref. Donc tu connais, c'est Paris hein, tous les matins je fais ce trajet là. Les bouchons, je commence à en avoir à le cul. Là y'a rien, on est allé à un endroit, y'a rien gros, je comprends pas. Ça fait une heure que je cherche ce putain de cirque. Donc les gars, ce qu'on va faire c'est que je vais me garer là. Et je vais regarder, on a une photo. Genre j'ai des feuilles avec les étapes à suivre et tout. Et y'a une photo exacte du cirque de Paname à quoi il ressemble. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me garer. Je vais regarder la photo et comme ça va nous aider. Mais il y a moyen que ça soit ça en vrai hein. Alors attends, cirque de Paname. Attends mais c'est ça? Ouais c'est ça hein. Et attends mais c'est exactement ça. Ah mais il y avait l'adresse. Deux routes des tribunes. Bah on y est. Ok bah ça va alors. Ok parfait. Bon gros, on est devant le McDo mais on peut pas se garer. Okay. Là. Ah oui bien vu. Je vais faire un créneau gros. Gros incroyable. J'étais dans les droits, dans les règles. Incroyable. Je vais faire ma meilleure photo gros. Allez maintenant on a juste allé au McDo les gars, on est carré. Oh la queue qu'il y a. Oh, y'a pas un kebab? C'est un fast food un kebab. Bon oh, on est d'accord, il y a moins de queue là qu'au McDo. Ouais. Attends, je vais appeler Inox, je sais pas s'il va répondre. J'ai plus de nouvelles de lui, ça m'inquiète. Allô? Ouais? Ouais, ça va ou quoi? Ça va tranquille. T'es au cirque? Ouais, du coup je pensais te trouver au cirque. Mais je l'ai pas trouvé moi gros, on est en train de tourner autour. Ah c'est vrai? Tu vois, on t'a donné des feuilles avec les trucs ouais. À faire. Je vais donner un petit indice sur les feuilles, il y a une adresse, va à l'adresse. Ah ok, 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 vas-y bah à toutes. Vas-y à toutes. Couillon va. Oh let's go, il est derrière moi. Je savais il allait galérer à trouver aussi. Objectif, bah là attends, fast food, faut trouver un fast food, comme ça tu vas graille. Rue d'artiste, faut trouver une rue qui a un nom d'artiste. Et après fondation Louis Vuitton, terminé, fin du match. On va pas perdre de temps, Inox il est pas très loin, il est en train de tourner autour du cirque. Donc il doit arriver bientôt. Bon les gars, on est en train d'attendre le kebab et là faut que je trouve la rue d'un artiste pour prendre une photo devant. Il y a rue Émile Zola, le rappeur, ça passe ou pas? Les gars, est-ce que je la tente? Ah mais il a écrivain, c'est de l'artiste? C'est un artiste, écrit un écrivain? Pour moi c'est artistique d'écrire gros. Les écrivains, des artistes comme les autres. C'est artistique de... Bon je vais appeler madame, allez hop c'est bon. Allô maman? Oui. Ça va? Oui. Bien? Oui. Ouais je voulais te demander, on est d'accord qu'un écrivain c'est un artiste? Genre Émile Zola, c'est un artiste Émile Zola. Moi je pense que c'est... Oui on peut considérer un écrivain un artiste. On est d'accord, ok. Merci maman. Bon les gars dans les commentaires, si un écrivain c'est pas artiste c'est quoi? Là-bas, il y a un Subway, il y a un McDo. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Subway. Allez, bah on a un petit Subway à 800 mètres. C'est juste à côté. Allons-y, allons au Subway. Hey, je vais faire mon meilleur selfie avec Zola. C'est bon, c'est validé. Hop là. Là, normalement, il y a un petit Subway dans les parages. Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est un Bricorama. Donc, mais attends, mais tu te fous de ma gueule. Mais le GPS, il sert à rien. Viens, on se gare. Oh, attends, bah là, je peux me garer là. Ah, bah elle se barre. Vas-y. Ah, bah elle s'en va en plus. Bah, de toute façon, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Ça part. Voilà, on est bien là. Du coup, on va essayer d'aller trouver le Subway, les gars. On va y aller à pied parce que je crois, il est dans une rue piétonne. Ça va ou pas bien? Au calme. Le mec, je sais pas quoi. Ouais. Je connais Weshden. Ah, lui, il veut pécho Weshden, toi. Tu veux la pécho? Bah. T'as quel âge? T'inquiète pas. Allez, tchao mon gars. Bon, les gars, il nous a offert des frites en plus, c'est un bon. Et donc là, je crois qu'il nous reste juste d'aller à la fondation Louis Vuitton et on a fini. C'est magnifique. On est dans la rue Émile Zola. On a fait une masterclass. C'est une masterclass, les gars. En plus, on a pu dire bonjour à certains abonnés. Ça fait plaisir. Aussi, je veux pécho Weshden.
Non mais les gars, il a 11 ans, il veut pécho quoi. Non mais après, l'amour n'a pas d'âge. Lui c'est un champion. Lui c'est un champion. Toi t'es un artiste. Moi je suis artiste. Ouais, j'ai un freestyle. J'espère que t'es fort hein, parce que sinon là, ça va te claquer là. Ça va être au montage, ça va être au montage. Bah oui, on va le laisser, s'il fait un vrai freestyle. Oh là, ça sent la bouffe là. Au pire, là, il y a un restaurant emporté. Hein. Ouais, c'est moi. Ah, mais il est là, regarde. Oh, mais putain, on est passé devant. Oh non. Mercredi, de 8h à 23h. Il est quelle heure là? Il est midi. C'est fermé. Bon, au pire, tu veux manger chez Wang? Vas-y, let's go. Plat à emporter. C'est à emporter, c'est carré. Mission validée. Bonjour. Je prends des pas de taille, moi. C'est la putain, je pense que là, Inox, il va nous rattraper là. Bro, tu connais par cœur le freestyle. Ça peut faire casse comme Riyad Mahrez. Quand ça parle d'argent, il n'y a pas d'amour. Après, j'ai oublié. Ah ouais. T'as fumé deux fois, tu le fais, bandit. Belle que tu t'es étouffé. T'as un boulet pour notre équipe. Voilà, moi j'aime bien, mais j'ai perdu la feuille. Après moi je vais faire des feats avec c'est Koba bien. Ah ouais? Vraiment? Ouais. Bah gros, tu veux que j'envoie une vidéo de toi Koba? Ouais s'il te plaît. Wesh mon zinzin, wesh Koba, y'a un petit qui veut te parler. Ouais Koba, tu vois là moi je fais du rap. Mais un jour il faut qu'on fasse un freestyle. Comme un Freeze Corleone. C'est le boss. Allez tchou les gars, bye. Ok les gars, on est bon, on a la bouffe, on va aller à la voiture dessus. En vrai ça va, c'est rapide hein. Je pense que c'est plus rapide d'aller dans ça que dans un Subway ou un McDo ou quoi. Elle est là ma voiture! Ma Citroën! Je crois que c'est un petit peu secoué. Hein. T'es ready mon petit ref? Allez. Fondation Louis Vuitton. Ah il veut prendre ma place. Allez on se casse. On mange deux spies, on se régale. Je vais manger vite fait, après je vais mettre ça de côté. Parce que on est en course quand même. C'est grave bon. Du coup, objectif réussi. C'est quoi le prochain objectif? Ah c'est passer dans une rue avec un nom d'artiste. Une rue du port au vin. Ça va les gars? T'as vu Inox? Ouais. J'ai fait un freestyle, envoyé un message à Koba. C'est bien, c'est ta vie mon gars. C'est bien, c'est ta vie mon gars. Salut. Attention salut les gars. Une rue avec un nom d'artiste. Est-ce que les climats ça compte comme un artiste ou quoi? Bah oui hein. Attends, après c'est quoi le dernier objectif? Aller à la fondation Louis Vuitton. C'est quoi? On va mettre fondation Louis Vuitton. Est-ce que il y a une rue d'artiste? Mec, c'est à ce qu'on va passer hein. C'est quoi? On va aller à la rue Victor Hugo hein. On va faire comme ça. Gros, il y a des rues Victor Hugo partout. Rue Victor Hugo, voilà, il y en a une à 5 minutes. On va pas perdre de temps. Et après direction fondation Louis Vuitton. Si tout se joue sur la rue Victor Hugo, je pète un plomb. Bon les gars, je suis content. On a eu le kebab, la rue Mizola, tout, on a tout réussi ma gueule. En plus on a vu des abonnés, on a pu rigoler un peu, c'est des bons les gars, ça fait plaisir de vous voir. Du coup là, il nous reste la fondation Louis Vuitton, on conduit jusqu'à et après c'est fini, on est bon. Ça fait quoi de ton petit côté Michou là? Moi j'ai bientôt fini, tu connais. J'aimerais bien qu'on passe sur la voie de Michou, la pof de Michou. Ok, on arrive bientôt à la rue Victor Hugo. Attends mais il vient de me snapper. Le Uber il vient de me snapper, je suis mort. Allez là, la rue Victor Hugo. Nous y sommes les amis. Voilà. Maintenant les gars, c'est le rush final. Direction fondation Louis Vuitton, faut faire une photo devant. Je sais pas où est Inox, j'ai trop peur. On arrive dans 11 minutes. Les gars, tout de suite dans la vue d'Inox. Sur la gauche, tu vois là? Ouais. Je sais pas du tout si quand je vais arriver, il va être garé en train de flex ou s'il sera pas là et c'est moi qui va flex. N'empêche, la voiture tranquille, hein. L'autonomie. Depuis ce matin, on roule, on est bien. On a perdu un petit peu de batterie, mais ça va. Bon, les gars, on vient d'arriver. Regardez, vous le voyez normalement, vous pouvez l'apercevoir. Là, il nous manque juste, hein, comme tout à l'heure, retrouver une petite place. On a le temps, je pense. Donc, on va retrouver une petite place tranquille. On va marcher, on va prendre notre photo et on aura complètement gagné. Voilà, c'est ça les règles du jeu. Allez go, on y va. Tu sais que là dans ma tête je suis en train de prier hein. Je veux pas voir Inox. Inox, je te kiffe gros, mais là je veux pas te voir là. Magnifique ou quoi? C'est magnifique hein. Attends, la finale faut faire une vraie photo, tiens. Et ouais mon gars, bien vu mon gâté. Mec, c'est gagné hein. Les gars, Koba il a répondu à l'abonné de tout à l'heure, on va voir ce qu'il dit. Voilà, vaillant. Il a dit vaillant. C'est un BG. Maintenant, on va attendre Michou. Je vous conseille d'aller voir son point de vue. De toute façon, c'est Wake It, il va mettre le point de vue de Michou. Mais le point de vue Michou, on va voir comment, dans combien de temps il arrive. Donc là, il est 13h34. On va voir combien de temps j'ai d'avance sur cette victoire. C'est parti, Wake It, je compte sur toi. Bon les petits potes, avant qu'on arrive, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. La chaîne d'Inox aussi. Sauf s'il gagne. S'il gagne, on s'abonne pas. Je rigole. S'il gagne, quoi qu'il arrive, abonnez-vous. Inox et voilà, sachez que moi j'arrive dans 200 mètres. Je vais faire un prank à Michou. Michou il va arriver là, il va se dire j'ai gagné un truc de ouf. Sauf que nous on va être garé là-bas. Comme ça il nous verra pas, il va être trop content de gagner. Et ensuite nous on vient à pied, comme ça on lui dit bon tu te bouges, je suis devant ta cap. Bah bref, allez c'est bon. Mets-toi entre les deux voitures blanches là. Colle bien à droite.
Les gars, le plan se déroule à merveille. On est derrière un petit camtar. Gros, il va arriver. Truc de ouf. On va arriver, on va lui casser son délire. Ça j'aime quand ça se déroule comme ça. Oh, elle est là, la fondation Louis Vuitton. Je vois pas de voiture en devant. Je vois pas de voiture non plus. Attention, j'ai pas l'impression qu'il soit là. Est-ce qu'on serait pas arrivé avant? Non. Non, il est pas là. J'ai peur qu'il soit plan. Non, c'est impossible. Non, il aurait fait ça, tu crois? Non, il aurait voulu dire ouais. Le seum. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, il est pas là. Ok, je suis garé. Train à main. Les gars, faut prendre le selfie, on est bon? Il est pas là! Il est pas là! C'est eux? Ouais, ouais, c'est eux. Les gars, il vient de sortir, il est trop content, sa mère! Je vais aller lui casser son délire, t'es prêt? Vas-y, viens chez moi. Petite photo, on va flex. On est carré. Je vais me mettre royal. Oh, comment c'est beau. Regardez comment il fait la rosta. Oh, il est là. Ah, t'as le seum. Je suis garé depuis 30 minutes. Non. C'est vrai ou pas? Non, t'es un menteur. T'es un menteur. T'as pris une heure qu'on t'attend, mon gars. Ta gueule. Ah, mais gros, ça fait du bien d'être le regagnant. Ça fait un bien fou, ma petite gueule. À 13h33 23 minutes, mon gars. Mais en fait, t'es un menteur. Dans la rue où il y avait. Attends, quand je suis arrivé au cirque. Oui, j'ai menti. Oh le bâtard. Mais c'est stratégique. Je pense qu'il y a eu un truc qui a fait que la chance m'a souri. Toi, c'était quoi la rue d'artiste? Victor Hugo. Donc, c'est un écrivain? Ouais. Moi, Emile Zola. C'était la même rue que le grec. Oh le bâtard. Ah ouais, ça, ok, ah ouais. Là, j'avoue. Moi, la rue Victor Hugo, j'ai pris 15 minutes à la trouver. Hein. Ah ouais, t'as galère. Non, ah, moi j'étais au ça. Grec et j'ai fait bon, je vais direct chercher la prochaine rue. Je me tourne, Emile Zola. Donc, le gage, okay. C'est tu rentres à pied. Bah, t'es un ouf. Tu rentres à pied. On y va, les cadreurs? Vas-y, go, 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 c'est bon. Mais t'es un ouf. Vas-y, on s'est payé la bouche. Ouais, ouais, mais tranquille. Bon, les gars, vous avez passé une bonne vidéo, les cadavres ou pas? Et là, ils se retrouvent entre eux et tout. Ouais, en vrai, c'était cool. Hein. Regardez, y'a un mec qui a le seum là-bas. Regardez, y'a un mec qui a le seum. Allez, venez, venez. Faut pas parler aux inconnus. Allez, oh, j'ai gagné. J'ai gagné, je suis trop content. J'ai gagné. Bon, les gars, on a bien rigolé. Par contre, maintenant, faut charger la voiture. Faut charger la voiture, mon gars. Regardez la prise. D'électricité, La prise, c'est une prise classique. C'est la même que pour brancher ton micro, ma gueule. C'est la même que pour brancher ton téléphone, gros. Non, non, le téléphone, elle est pas comme ça. Gros. Oui, mais c'est une prise classique. Ouais, c'est vrai, quoi. C'est une prise classico. Donc t'as pas besoin d'aller à des bornes. C'est tard, hein. Tu peux la voiture, tu peux la brancher chez toi. Et ça, c'est incroyable. C'est que tu te dis, c'est un chargeur classique. Oh, attends, il y a écrit, ça charge. Ah oui. Il y a écrit 2h50. C'est vrai? 2h50. Mec, en vrai, ça va. Tu te rends compte qu'on tu charges une voiture en 3h. Ok. En vrai, c'est bien, c'est écolo. C'est écolo. C'est vrai que c'est écolo. Et ça c'est dard. Bon, bah les petits potes, merci d'avoir suivi cette vidéo. Des GG à Inox Tag qui m'a bien niqué. En vrai, GG, mon petit Mich. En vrai, je pensais qu'au début, j'allais perdre hein, parce que je le voyais au Trocadéro, il avait déjà donné les gels hydroalcooliques. Mais ouais, je me suis dit c'est perdu. Mais j'ai perdu. J'avais de l'avance. Je me suis dit c'est perdu quand je t'ai vu me doubler, c'était terminé. Sauf que on s'est ressaisi. Ouais. Emile Zola m'a sauvé. Emile Zola. Bref, les petits potes, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, vous abonner, que ce soit à ma chaîne ou la chaîne d'Inox Tag. Nous, on vous fait plein de gros bisous. À très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Tchuss. Ciao les gars. Bye. Citroën, donnez-moi la voiture s'il vous plaît. Non, non, c'est pas une voiture, c'est un véhicule. Ah oui.